Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation d'un fourreau en bois pour protéger la lame d'un couperet que j'ai restauré dans la vidéo précédente. Vous pouvez suivre toutes mes dernières créations sur mes pages Google et Facebook. N'hésitez pas également à aller visiter la boutique en ligne, tous les liens sont dans la description. Si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi un pouce en l'air et puis bien sûr, tous les commentaires sont les bienvenus. La construction que j'ai choisie pour le fourreau est la même que celle du manche, à savoir du cerisier de chaque côté et du bois blanc au milieu pour avoir un joli contraste de couleurs. J'ai récemment fait l'acquisition d'un Truskin qui s'avère être un outil très pratique pour tracer l'épaisseur des pièces. Lame neuve, s'il vous plaît. Le maintien du fourreau en place sera fait par ce petit aimant.
Pour la finition, le ponçage se fait du grain 180 au grain 400, puis un polissage avec une roue en feutre et de la pâte à polir. La protection se fait avec trois couches d'un mélange d'huile de lin puis essence de térébenthine. Bien faire pénétrer avec un chiffon et d'essuyer le surplus entre chaque couche.